Coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came, maybe blue eyes. Et salut à tous, c'est Seven C'est Cabal, on se retrouve aujourd'hui. Faut vraiment que je change de phrase, c'est un truc de dingue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Watch Dogs. Et la fois dernière, alors qu'avions-nous fait? On avait, ouais, c'était une histoire avec Big Bug, etc., Irak, etc. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on pirate ce système CTOS pour avoir accès à la suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé un peu toute la partie basse de la map, il reste plus que cette partie ici qui me manque. Et donc, on va y aller, let's go. Alors déjà, faut trouver la personne qui a le code d'accès. Et pour trouver la personne qui a le code d'accès, on va faire un petit peu le tour, voir si elle peut... Hop. Ok, c'est elle qui a le code d'accès. On a le code d'accès. Vétéran spécialiste, il y a pas mal de monde quand même, pas mal de monde. Et Nakizio et Germa. C'est le mec. Ok, c'est passé. Oh oh. Inconnu en visuel. Examen nécessaire. Hein? Élément inconnu en visuel. Examen nécessaire. Oui. Ok, ça sent pas bon. Tourne-toi. Oh. Ah, il est... Qui est... Y'a rien ici, je bouge. Y'a rien, change de coin. Oh merde. Hop, c'est pas grave, on va s'y faire. Yeah. Oh, on va le temps d'appeler encore. Approchez-vous. Ah, allez, la cible vérifiée. On se fait aligner ici.
Voilà. On va faire les choses tranquillement, sans fracasser tout le monde. Eux, ils veulent pas. C'est tout. Après, une chair, et puis voilà. Voilà. Je vais tout pirater comme d'habitude et je regarderai ça à la fin. Garde-t-il les infos? Et pour en faire quoi? Hop. J'espère juste que je pourrai les regarder tous à la fin. Parce que ça va être plus un truc assez marrant quand même. Tour de Crispin maintenant. Oui, bonjour, c'est Aiden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. Prenez D'accord. soin de votre sœur. Aïe, oui, aïe. On a découvert un corps à South Central ce matin. Nos sources parlent d'une exécution d'origine mafieuse. La victime est connue de la police et soupçonnée d'avoir participé à un récent braquage. On lui connaissait des liens avec le Chicago South Club, célèbre syndicat du crime. Hop, nous voici arrivés. La condition humaine, ça me rappelle une musique. Ouais, je me trouve sans doute. Faut avouer quand même. Et c'est magnifique. Genre parce que en fait je parle quand j'arrive au niveau des missions et pas quand je conduis. Je suis tellement inspiré quand je conduis que. La vie elle a quand même une sacrée belle gueule. Je sais pas si. Je pense que c'est vraiment représentatif de Chicago, mais alors. C'est vraiment magnifique quand même. Merde. J'oublie toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispin va me permettre d'accéder aux enchères, c'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça, il doit disparaître. Pirater le terminal TOS pour localiser Gris quelque chose. Alors... C'est trop exposé ici. Vaut mieux que je sois discret. J'espère que c'est pas ça qui va être discret. Ouf, là, c'est pas beaucoup.
Monsieur Quinn tient à ce que votre première visite à Chicago soit inoubliable. Fait un joli bruit, hein? Exotique et rapide. Monsieur Quinn ne savait pas quelle couleur vous plairait. Vous choisissez. Celle-là, d'accord ? Qu'elle soit prête à mon retour. Il doit avoir le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je peux pas le laisser s'enfuir. Là, il y a une manette. Alors, je suis désolé si vous entendez des motos, des trucs comme ça. Il y a que les gens, ils voient le soleil, ça y est, ils se pètent un câble. Donc voilà. On va essayer d'entendre de temps en temps des motos, des voitures, etc. J'en suis sincèrement désolé. Alors, comment je peux tuer? Il faut que j'ai survie. Il y a peut-être un mécanisme. Je sais pas. J'ai envie de manger, voir s'il y a pas. Oh putain, c'est mort. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, il y a des gens qui s'amusent. Voilà, et... je ferais bien exploser, mais... Est-ce que ça va le tuer? Et voilà, j'arrive à me bloquer entre deux... Est-ce que si je tire une putain de bastos là dans le mur, ça me tue? Ça serait génial, ça! Au pire, si je le fais exploser, l'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la voiture, peut-être, et va rouler directement ici. C'est explicable qu'il y ait des voitures ici. Non, ouais. C'est à ma femme! Dites-lui que je me tapais sa sœur! Descendez-le, faites votre boulot! Putain. Putain. Merde. Qu'est-ce qui se passe, mon père? Putain, c'est quoi ce truc? Allez-y! Oh putain, mais je suis trop fort! J'avais jamais fait cette. J'ai jamais fait cette mission, quoi! Et voilà. Je suis choqué quand même, je me suis trop bien démerdé en vrai. D'accord, donc aussi il me reste encore cette partie en haut, et donc cette partie-ci à faire. Ok. Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. On en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. Clandestin, évidemment. Donc le menu Poppy, ce sera... Eh oui, sinon ça sera pas drôle. Aux infos que Quinn avait sur Crispin, je suis pas sûr que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas.
Rendez-vous au salon pour une finie pour le. Je me demande si c'est pas la mission qu'on avait vue à l'E3 juste quelques années avant que je sorte. On va bien voir. Hop. Donc pour en revenir à la vie, je la trouve vraiment belle, mais vraiment belle, belle, belle. Comme le jeu. Non, je... non ça faut vraiment que je me trouve des bonnes blagues parce que là. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il est con? Non, si, la ville est vraiment belle. Moi, j'apprécie vraiment tout parti, toute la ville. Après, je sais pas, comme je dis, j'ai pas regardé sur internet si elle ressemblait réellement à la vraie Chicago. Je pense que oui, je pense pas qu'il l'aurait appelé Chicago si elle y ressemblait. Si elle n'y ressemblait pas. Après, voilà, il y a quelques petits trucs que je trouve dommage, style les villes, pas énormément bondées, pardon. Les voitures, quand tu fonces dans les autres voitures, ça fait plus effet auto-tamponneuse que le reste. Mais sinon, franchement, c'est un jeu super. Et plus j'avance, plus j'ai envie de continuer à y jouer, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, les missions, les vidéos et tout, commence à devenir de plus en plus longue parce que le jeu m'intéresse au plus haut point. Ok, me voilà enfin prêt pour le bal des monstres. Je reste concentré, je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Ok. Le menu, Poppy. C'est un très bon choix, Monsieur Crispin. Un plat délicieux, spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Par ici, je vous prie, Monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, monsieur ? Dans les embouteillages. Monsieur Quinn tenait à s'assurer de votre confort. Et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en autant qu'il vous plaira, monsieur. Alors c'est toi, mon petit cadeau. C'est quoi ton nom ? Poppy ? J'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites aux filles. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas grave. Laisse tomber. Monsieur Crispin, tout se passe comme vous voulez ? Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant! Je te ferai aucun mal. Je peux t'aider. Viens avec moi. Non! Non! Ils m'ont trouvé. Ils ont dit que vous étiez un monstre. Vous êtes pas Crispin. C'est pas vous. Je m'appelle Pierce. Ça va chier. C'est pas mal ici, c'est une bonne adresse. Je me demande aussi si ça existe dans le vrai Chicago. Aussitôt venu, aussitôt reparti. C'est un peu précoce quand même. Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt.
Et c'est cette femme-là. Oh, j'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infinite 92 et fais-toi passer pour mon assistante. Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je vois tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir, mais au moins, on peut sauver cette fille. C'est déjà ça, non? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer. Et donc, il me semble que cette femme-là, avec les trucs bleus et tout, là, par rapport à la France, c'était comme ça. Il me semble que c'est la fille qui était au Merlot dans la cinématique. Ah oui, c'est ce que je veux faire, c'est juste pour faire le dernier jeu, mais bon, c'est juste pour faire le dernier jeu. Faire les mémoires de Aliens, les longs moments, etc. Enfin, le pourrait vraiment, ça c'est pour en... C'est un signe, je pense pas, c'est pour en été, c'est un peu tout. Mais ouais, c'est ça, c'est la chose, ouais. C'est bien, et la chance de mémoire, c'est de la... Les enchères de Queen. Irak doit être à l'intérieur. Il va y avoir des gardes partout et ils vont pas tarder à apprendre ce qui s'est passé chez le concessionnaire. Une enchère ici. Alors je trouve Irak, je scanne sa plaque et je me tire discrètement. Ça a l'air facile. Mais à mon avis, ça risque d'être tout le contraire. Désolé, monsieur Crispin. On doit prendre votre arme. Mais avec plaisir. Prenez-en soin. Monsieur Quinn dit que vous voulez voir la matière première. Oui, j'aime bien voir ce que j'achète. J'ai demandé à ce que ma marchandise soit livrée ici. Dites-moi où je peux trouver Poppy. Monsieur Quinn a bien reçu votre demande. Vous inquiétez pas, elle est là. Vous devez connaître les règles fixées par Monsieur Quinn. Tout paiement doit être effectué en liquide ou via un compte sécurisé. S'il vous prend l'envie de tester une fille avant que les enchères soient ouvertes, il y a un supplément à payer. Les filles premium ne peuvent pas être testées. Préserver leur valeur, voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois, oui. Et allez-y doucement ce soir, si ça part, on aura du mal à convaincre les autres du service. Nos clients sont plutôt discrets. Ouais, ouais, faites le virement au plus vite et basta. Moi, parler aux gangsters, ça me file de l'urticaire. Vous inquiétez pas, le patron s'en occupera bientôt. Est-ce que je peux regarder? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Exactement ce que j'ai dit. C'est quoi ça? What the fuck? Solde! Ils font des soldes sur les filles, quoi! Mais sérieusement? Je te fous dans le cul. Cette année, j'ai confié la sécurité de la vente à Irak et ses hommes, les Viceroy. Ils ont fait de l'excellent travail en assurant la distribution de notre drogue aux usagers des Worlds. J'avais promis à Irak que je le récompenserais s'il faisait ses preuves, et il les a faites. Par conséquent, ces hommes se chargeront de la sécurité pendant toute la durée de l'événement. Si tout se passe bien, je n'aurai plus à y envoyer mes hommes. Plus je peux prendre mes distances, mieux ce sera. Peut-être que je pourrai me dispenser d'y assister à partir de l'année prochaine. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une expérience déplaisante. Les hommes et leurs hôpitaux. Une faiblesse que je n'ai jamais comprise. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Immigrée roumaine. Ok. Le dieu. Handicapé mental, ouais. Danseuse de balle. On va continuer un peu. Oh, attendez. Ah non, c'est celle où j'étais. D'accord. Agresser son colocataire. Oh, c'est pas bien. Bon, là, je peux pas passer, je sais pas. Vu qu'il y a un gars à mon ami, je crois qu'il y a un gars après. What the fuck? C'est Monsieur Crispin, la compagne pour voir Monsieur Quinn.
Ils amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises seront montrées en privé. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est plus efficace. Certains invités préfèrent regarder leur moniteur. Mais on m'a dit que vous, vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier à sa juste valeur la qualité de votre travail? Reste pas là, toi. Monsieur Quinn l'attend. Monsieur Quinn est là-haut, avec Irak. Faites un autre passage. Je vais juste fermer la fenêtre, parce que j'en ai plus que moi. Les gens, ils ont l'impression qu'ils sont sur un rallye, tu sais. Faut que quand ils passent devant la fenêtre, ils accélèrent. Voilà. Abandonner ici les cours de chant. Oh le mongol. Yo, le boss vient juste. C'est un sidorago social. Les hommes de Quinn viennent de se faire buter. Il se passe un truc chelou. Il veut qu'on vérifie toutes les identités. Tout le monde doit y passer. Deux fois, même s'il faut. Bon, il est où Quinn? Il est sur le pont, c'est ça? Ah, il est là, d'accord. Faut que je... Donc on a une... Sauf votre respect, c'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué, il faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque... c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail. Sans en faire toute une histoire. Ouais, mais manque des gars. Ça, c'est votre problème, monsieur Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouvez qui a tué mes hommes. Ce sera tout. Monsieur Crispin. Vous m'excusez? Bien sûr. Ah, notre invité d'honneur. Monsieur Quinn, malheureusement, je ne peux pas rester. Vous aimez ce petit spectacle? Lequel? Celui d'en bas ou celui d'en haut? Oh. Mon associé, monsieur Irak, c'est un soldat loyal. Mais il est jeune. Que voyez-vous en regardant là-bas? Je vois... quelqu'un qui étale son pouvoir. Monsieur Irak voit une vente aux enchères, il voit une récompense. Et l'expérience m'a appris à ne jamais me laisser manipuler. À ne jamais céder. Je ne détecte aucun accent, monsieur Crispin. J'ai appris beaucoup de choses pour en arriver aujourd'hui. On m'appelle Loki, mais la chance n'est pour rien. Monsieur Crispin, il se méfie de vous. Je sais, allons-y. Viens, plus près. Ce tatouage. Ils disent qu'ils s'en servent pour nous retrouver. Ça marche comme ça dans le business. Je peux brouiller le signal. C'est fait? Oui. Je les ai entendus parler de Crispin. Oh, c'est... quelque chose de... What the fuck? Ça bug un peu de trop. Il y a eu un léger problème. Voilà. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devez partir, vite. Passez par le sol. Viens avec moi. Non, je peux pas laisser mes amis. D'accord. J'enverrai de l'aide. Cambriolage chez un concessionnaire de luxe avec un butin estimé à plusieurs... On reste sur le coup. On ne sait jamais. À mon avis, j'aurai besoin de me battre. La vente est prête. La dixième en 10 ans. Et cette fois-ci... Faut rester sur le coup. Américain.
à ce que ça fasse monter les enchères. Je l'espère, en tout cas. Les frais de sécurité ont augmenté. La police n'aime pas la marchandise nationale. Ok, faut que je me tire d'ici rapidement. Il y a des fuites. Ces articles m'apportent... Hop. Un peu de chance, ouais. Beaucoup de chance. Je ferais mieux de m'armer. Tout le monde veut me buter en ce moment. Obtenu. Alors, il me faut une caméra pour pouvoir passer la porte. Mais voilà. Je sais, je ne peux pas passer par au-dessus, je ne veux pas passer par là. Ah là quoi, je veux juste une cam. Bon, on va suivre dans le droit. Là, ça va retirer. Relâche pas, les gars. J'espère que c'est pas ce que je crois. Merde, c'est un Viceroy. Hey, on fait pas la gueule. Putain, c'est qui ça? T'es obligé qu'il est dans le coin. Trouvez-le. Ah. Ce pouf en vite joué. Eh ben, on va lui montrer. Hop. Là j'ai récupéré une arme que je voulais. J'ai vu que... Oh putain, il me la prend. Oh l'enfoiré. Il était dans un angle mort, je ne pouvais pas le viser, lui pouvait me niquer. Et il l'a fait. Hey, j'hallucine ou quoi?
pas d'excuses. On va crever, les gars. Faut que je le trouve, ce connard. Là, okay. Vous le trouvez, cet enfoiré. Ce bâtard a tué le nom pas vous cramer. Maintenant. Le bâtard il va descendre par là. Ok, y'a rien ici, je continue. Merde, tu vois que dalle. Je vais aller voir là-bas. Le bâtard. Voilà. C'était quoi? Tac. Bon. Il y a un truc là, je crois. Ici, c'est une protection. Fais gaffe à ton cul, hein. Des fois quand j'avance comme ça j'ai l'impression d'être putain de bon joueur. Merde, y'a rien ici, je vais voir ailleurs. Ouais, je pouvais pas faire autrement. Putain ouais, tu vas crever ta vie ce truc. Ah, recule encore. Toi t'es un beau gosse, t'as essayé de te faire péter tout seul. Balance une grenade. Ah le bâtard. Il en restait plus qu'un. Plus qu'un. Il avait tout fait, il avait fait, on aurait cru l'autre dans Taken, niquer tout le monde, coûte trop bien, tire dans la tête et tout. Salut. C'est quoi ça? Yo. Yo yo. Y'a un truc. Reste sur tes gardes. Putain, c'est vraiment la merde. Y'a pas moyen que je laisse tomber. Trouvez-le. Allez, bougez-vous, putain. Caméra dans l'eau. Toi, t'es surpris. Y'a rien du tout ici. C'est bon, je bouge. Je peux pas t'avoir. Merde, faut se planquer. Putain, je crois que c'est vrai. Chaud là.
Prends pour moi, les gars. Et je sais que tu veux venir par ici. Il est... Hey, va voir là-bas. Défoncez-le, les mecs. Il y a plus de mecs, il est tout seul. Je vais venir te chercher, enfoiré. Vous allez me chercher? On se reverra en enfer, fils de pute! Il était là-bas, bordel, il peut pas être loin! Eh, hey, montre-toi, quoi! Y'a personne qui est. Oh pute! Voilà. Tac, ça c'est fait. Je propose l'idée de monter en haut. Monter en haut, bien sûr, magnifique menace. Et du bord, c'est des notes. Je vais me pas lâcher, ville de but. T'es mort. Oh, oh la vache, le bruit. Hop. Enfin, j'ai envie de te dire. Et ça continue, encore et encore, c'est que les deux, encore et encore. Putain, on va lui mettre sa race. Ça tryhard là un peu, non? Eh hey, mais c'est qui là? Je me demande si le gros avec son armure je peux l'avoir. Putain, merde, mais c'est passé quoi là? Ça se prépare un truc comme ça? Allez les gars, bougez-vous! Trouvez-moi ce fils de pute! Je vais le trouver cet enculé. J'en vois deux. Oh bah c'est vrai, j'ai réussi à avoir le gros, je crois. Mec, tu dors. Voilà. Donc en masse mon dieu. Putain, j'y vois que dalle. Je vais chercher par là. Le gros bordel. Voilà. Mon dieu. Il est où, le bâtard? Bon, c'est bon là, on te fera plus. On fait attention. Bon, y'a rien là. Allez, continue. Comment est-ce que tu t'en fais? Chopez-le. Voilà un Viceroy à terre. Hé, hey, attention les mecs. Attention les mecs! Eh les mecs, on s'endort pas là! Oh
planquer mon destroy. La merde. Marre, il m'allume. Il m'allume. Et puis la misère. On va se faire buter. Voilà, non mais. À un moment donné, faut arrêter les conneries et crever, hein. Deuil, sa mère. Police, j'écoute. Quelle est votre urgence? Il y a une grosse fusillade qui a lieu là, à Brandon Docks, au niveau des Barrows. À toutes les unités, on signale une fusillade aux Barrows de Brandon Docks. À toutes les unités. Bon, les flics trouveront ces filles et elles seront en sécurité. Pour ce qui est des acteurs, s'ils échappent à la police, je finirai bien par les retrouver un jour. Aïe. Voilà, mission accomplie. Et non, celle-ci était assez difficile quand même. Trafic d'êtres humains. Enquêter sur une série de mallettes suspectes, localiser les acheteurs douteux et pirater leurs données, rendez-vous à leur domicile et effectuer des intrusions. Ah, c'est pas mal. Je vais essayer de retrouver ces types et utiliser le. Ok, d'accord. Ils en ont rajouté plein sur la map. C'est des icônes, on dirait des bits. D'accord, c'est des mannequins. Ok. Ça, bon, ben, on va se laisser là, les amis. On se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 18. Si on ne me fait pas de bêtises, on va laisser l'appel. Jackson a disparu. Je suis très inquiète. J'allais appeler la police, mais je voulais d'abord vous prévenir. Vous avez bien fait. Il fait ça de temps en temps. Quand il est stressé, il part souvent faire une balade en métro. Vous inquiétez pas, je sais où le trouver. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, il faudra appeler la police. Tout ira très bien, je vous assure. Et voilà, on se laisse sur cet appel. Pareil, c'est bien son genre. Oh. Il tient ça de son oncle. Il est parti à la recherche de sa mère. Mais où est-ce qu'il a pu aller ? Il le localise. Le voilà. Ok. Faut-il que j'y aille tout de suite? Non, c'est bon. Ok, donc on se dit à la prochaine, les amis, pour l'épisode numéro 18. Et je vous dis, portez-vous bien. Bye! Ravi de te voir, moi aussi. Mais avec plaisir.